je suis Slim Chekili, je suis en charge de la direction de la stratégie et de la communication au sein de l'UBCI, donc groupe BNP Paribas. Et nous sommes aujourd'hui dans le cadre de cet événement qui est organisé par le musée du Bardot, en collaboration avec le musée du Louvre. En fait, nous avons été approchés il y a de cela plus de 9 mois maintenant par le musée du Bardot et le musée du Louvre pour contribuer à la rénovation d'un certain nombre d'œuvres lapidaires dont le patrimoine est fort riche en Tunisie, comme vous le savez. Et donc on a été amené à discuter aussi bien avec nos interlocuteurs du musée du Louvre et du musée du Bardot qui nous ont présenté le projet. Et je ne vous cache pas qu'on a été emballé parce qu'on a toujours considéré que nous avons la chance d'être dans un pays dont le patrimoine est énorme, qui regorge de richesses, mais malheureusement il y a un besoin de restauration, de valorisation et qui nécessite de l'argent. Et l'argent, les pouvoirs publics en ont dans une certaine mesure, mais il est indispensable de plus en plus d'avoir recours à des mécènes, et notamment dans le domaine culturel, quoi. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on s'est inscrit, et donc on a participé à ce premier projet. Et comme cela a été dit par notre directeur général il y a peu de temps, ça n'est qu'une première étape, puisque les œuvres à restaurer sont nombreuses, et on espère pouvoir continuer d'accompagner aussi bien le musée du Bardot et le musée du Louvre dans cette initiative.